Waouh. Cette cinématique, ce trailer, tellement bien. Ça rappelle un peu Metal Gear Solid, je dois avouer. Donc, bienvenue à tous pour du Front Mission 3. PlayStation 1, qui est sorti en 99 au Japon, et 2000 pour l'Amérique et pour nous, donc ce jeu date de 1999. Alors récemment, j'ai rejoué à Parasite Eve 2, qui est aussi un jeu de PlayStation 1, un de mes favoris, et je me suis dit, ça fait plusieurs années en fait que j'hésite à me lancer dans Front Mission 3. Alors Front Mission 3, j'y ai joué énormément, je connais le jeu très bien, il y a deux histoires en plus à faire et tout ça, vraiment bien. Il peut être long, donc c'est un jeu qui se veut tactique RPG, où on commande, on pilote des mechas, des Wanzer exactement. Alors, il y a, on va dire, plusieurs problèmes avec ce jeu. Alors, le jeu est superbe, c'est un des meilleurs jeux qui existent, hein. Front Mission 3, je crois que tous les fans de ce type de jeu, en fait, connaissent ce jeu-là et pensent que c'est vraiment le meilleur. Et à ce jour, il n'y a pas eu vraiment de jeu qui tape aussi haut, en fait, que celui-là. Et j'espère peut-être le montrer, en fait, avec ces vidéos, en montrant, en fait, tous les détails qu'il y a, la customisation des robots, le gameplay, la mécanique, en fait, et tout ça. J'espère vraiment le montrer avec tout ça. Mais il y a plusieurs problèmes. Alors, ce jeu n'a jamais été traduit en français, donc il existe seulement en japonais ou en anglais. Donc, on a la version américaine NTSC pour jouer en 60 Hz. Mais de toute façon, comme j'ai dit, il n'y a pas la version française. Donc, déjà, c'est un problème quand on veut faire une vidéo dessus. Et surtout, c'est que le jeu, en fait, est dissocié en plusieurs, on va dire, plans. C'est-à-dire que, bon, il y a des cinématiques, comme dans tous les jeux. Donc, c'est fait par Squaresoft. C'était à l'époque, c'est comme Parasite Eve 2, au final. Les cinématiques sont superbes, la mise en scène est superbe et tout ça. L'histoire est aussi superbe. Donc, il y a ça. Donc, il y a le côté cinématique. Après, il y a le côté, donc, gameplay combat. Hein, donc, tour par tour avec des mechas et tout ça. Vraiment, vraiment cool. Et après, il y a en fait le côté, on va dire, conversation entre les personnages. Donc c'est pas vraiment genre de la 3D avec des personnages en 3D ou tout ça qui bouge. C'est seulement vous êtes dans une salle, il y a un fond d'écran et vous allez voir en fait plusieurs images qui vont représenter les personnes qui parlent et vous avez de la lecture en fait, en gros. Et alors, pour quelqu'un qui joue, en fait, c'est intéressant, hein, de lire tout ça, parce que vous apprenez. En plus, vous avez toujours des options, en fait, pour parler à telle ou telle personne, et après, vous pouvez même vous déplacer, en fait. Par exemple, si on est dans une base, vous pouvez aller dans l'armurerie, vous pouvez aller dans d'autres endroits de la base, etc. Donc, c'est plutôt cool quand vous jouez. Par contre, je dois avouer que c'est sûrement et possiblement chiant, en fait, pour des personnes qui regardent. Donc, que ça soit en stream ou en vidéo, ça risque d'être un peu embêtant. Alors, je voulais quand même me lancer dans le jeu, donc je vais essayer d'éditer énormément de ce qui se passe à l'écran, donc ça va être honnêtement une catastrophe et un cauchemar pour moi. Mais en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais zapper la plupart du temps les conversations. De toute façon, c'est en anglais, donc je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui parle en anglais, moi j'ai pas de problème avec ça. Mais du coup, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais zapper les morceaux avec les conversations. Je vais bien sûr expliquer qui parle, je vais le montrer à l'écran et tout ça, et je vais faire à chaque fois un résumé de ce qui se passe et de comment l'histoire évolue et l'aventure continue avec nos personnages principaux et les personnages secondaires. Donc voilà, je vais essayer de faire ça et voir un peu ce que ça donne, et si jamais vous êtes en train de voir cette vidéo et de m'écouter parler, c'est que ça a donné plutôt bien, donc voilà, j'espère que vous aimerez. Le jeu est assez long, évidemment, donc alors je dois dire que le jeu peut s'enchaîner assez facilement, mais après il y a quand même une bonne difficulté dans ce jeu. Donc de base, on peut pas choisir la difficulté, hein, le jeu est prédéfini à un tel niveau, mais le truc, c'est que quand même le jeu arrive à un certain haut niveau où il faut des fois un peu farmer, on va dire, parce qu'on peut s'entraîner avec avec une simulation et tout ça, donc on peut monter de niveau dans la simulation, et c'est vrai que le jeu des fois nous pousse un peu à monter de niveau, à grinder un peu, hein, si vous le voulez. Voilà, ces parties là je ne vais sûrement pas les montrer parce que c'est pas vraiment intéressant, donc je vais essayer de montrer vraiment ce qui se concentre sur l'histoire avec cinématique, combat, etc, et aller assez vite en fait par rapport à ça, et tous les moments, voilà, qui sont un peu plus lents avec conversation et tout ça, je ferai seulement des résumés, et comme ça sera pas, entre parenthèses, chiant à regarder, en tout cas j'espère.
Donc je vais vous faire un petit résumé de l'histoire, et puis après, bien sûr, vous aurez les événements du jeu qui vont se dérouler, ça aussi j'expliquerai au fur et à mesure. Mais pour vous situer l'histoire, donc elle se déroule en l'an 2112, où la technologie de pointe est omniprésente, et où la politique connaît de grandes turbulences. Le monde est organisé en différentes puissances politiques, donc il y a énormément de groupes, on va les découvrir au fur et à mesure qu'on joue, mais il y a l'USN, l'OCU, l'EC, l'OAC, il y a énormément de différents groupes, donc je vais pas vous prendre la tête avec ça pour le moment, on les découvrira au fur et à mesure qu'on joue. Et pour nous, pour ce qui nous concerne, donc le joueur incarne Kazuki Takamera, pilote d'essai de mecha, donc les Wanzer, pour le compte de la société Kirishima Industries, qui les livre à la JDF. Les JDF, c'est Japan Defense Force, donc c'est la force de défense du Japon. Donc voilà, nous sommes juste une sorte de livreur pour le moment, au début en tout cas. Et après, c'est le moment où il va se dérouler les événements du jeu. Donc tout va pour le mieux pour lui, jusqu'au jour où, lors d'une livraison accompagnée de Ryogo, donc ça va être notre ami, un ami sincère mais parfois embêtant, c'est ce qu'il y a écrit sur le wiki, c'est un peu bête, mais bon. Alors, des bâtiments de la Japan Defense Force sont détruits par des alliances militaires, une nouvelle arme de destruction massive appelée Midas, et par la suite découverte. Les deux grandes sociétés militaires, l'USN et l'OCU, veulent à tout prix s'en emparer, et la crise interplanétaire est définitivement lancée. Et c'est ce qui va se passer en début de jeu, et après l'histoire va se dérouler. Donc, comme j'ai dit, nous avons deux scénarios. Donc nous avons un scénario avec Emma de l'USN, je crois bien. Et après, vous avez un autre scénario avec la sœur adoptive de Kazuki, qui est Alyssa. Ou Alyssa. Ah, je préfère Alyssa. Le jeu a une sorte de New Game Plus aussi, c'est-à-dire que votre personnage va revenir à zéro, mais votre personnage en fait va apprendre différentes attaques et de skills tout au long du jeu, et ces skills en fait vous allez les garder, donc vous pouvez rejouer sur la même sauvegarde et après genre apprendre tous les skills du jeu disponibles si vous voulez, donc ça aussi c'est plutôt sympa, donc surtout quand vous voulez en fait recommencer le jeu pour faire une autre histoire du coup. Dans tous les cas, nous allons donc nous lancer. L'introduction était déjà assez longue, nous allons donc nous lancer dans Front Mission 3 et voir déjà cette entrée en scène, cette cinématique qui vaut vraiment la peine. Закрываю, быстрее. Есть. Что, нарушается план? GDF начали действовать, докладывает информбюро. Хорошо, довольно. Не будет неожиданно, можно будет пересмотреть план. Положимся на них, на наших детей. Thank you.
Et nous allons commencer. Donc nous sommes à Kirishima, donc c'est où on travaille. Et nous devons tester un nouveau Wormser. Donc bien sûr, le début va être très très tutoriel. Ils vont nous expliquer comment ça fonctionne. Donc le scientifique check les systèmes et on doit rentrer les données du pilote. Roger. Donc nous, les données du pilote, donc en gros ça se traduit par nom de famille et nom. Donc du coup on peut les changer. Donc déjà ça c'est plutôt cool de pouvoir, vu qu'il n'y a pas de voix dans le jeu, on peut changer complètement son nom. On va rester comme ça, Kazuki Takemura. Donc nous restons fidèles au jeu et à l'histoire du jeu. Chargement terminé. Alors le test final pour Shunio. On va commencer. C'est parti. Donc là, nous sommes dans la phase gameplay, combat, stratégie. Alors, ils sont prêts. Ils vont activer le Wormser. Et voilà, ça c'est un Wormser, un mecha. Donc nous avons deux armes, fusil à pompe et arme de mêlée. Activé. Activation confirmée. Donc au début, nous allons tester le mouvement du mecha. Donc en gros, ils vont nous apprendre comment bouger. Alors notre destination est là. Roger ! Donc ils vont nous expliquer, donc en gros, les cases bleues, c'est où on peut se déplacer, évidemment. Donc nous allons choisir, nous avons aussi les AP. Ils vont tout nous expliquer en temps et en heure, donc je préfère pas charger les informations au maximum dès le début, donc on va le faire doucement. Donc on se déplace, tout simplement, et après on choisit End, donc fin, et on passe notre tour. Après, il nous explique les touches, donc L1, R1, on peut déplacer la caméra pour avoir une meilleure vue sur le terrain. Hop. Et on peut aussi, bien sûr, déplacer notre caméra d'endroit et regarder un peu la map, comme elle est positionnée et tout ça. Comment le terrain est fait. Très important aussi, hein, très important de connaître, d'analyser le terrain. Parce que vous voyez que par exemple, nous pouvons descendre avec notre Wormser, on peut descendre comme ça, avec la rampe et tout, évidemment. Mais nous ne pouvons pas sauter en fait directement. Plus tard, on va débloquer des Wormser avec différents types de jambes, par exemple aéroglisseur ou à quatre pattes et tout ça. Et des fois, on pourra même faire des sauts en fait, qui vont nous donner des avantages stratégiques. Donc vraiment très très important de faire attention au terrain. Et il est vraiment cool ce jeu. Ok, nous sommes arrivés à l'emplacement. Maintenant, on va tester les armes. Donc, l'arme de gauche est un fusil à pompe. Et l'arme de droite est une arme de mêlée. Comme je l'ai dit. Alors, on va devoir tester nos deux armes. Et l'autopilote n'est pas activé, donc le Wormser en face de nous ne va pas bouger, ne va pas tirer ou quoi que ce soit, donc ça va. Alors maintenant ils vont nous dire qu'on peut bouger, et après il y a la distance aussi des armes. Et on va pouvoir changer d'arme, choisir quelle arme à utiliser. Et évidemment chaque arme a sa portée, et il y a une portée on va dire optimale, et après il y a des portées un peu moins puissante. Par exemple, un sniper va être moins efficace de près, alors que de loin il va avoir une bonne précision, etc, etc. Donc par exemple, le fusil à pompe est une arme de corps à corps qui va pas très très loin. Donc vous pouvez voir que c'est maximum 3 cases. Vous voyez, maximum 3 cases. Et plus vous approchez, et plus les pourcentages de visée vont augmenter avec le fusil à pompe. Par exemple, là on est à 81%. Donc si on s'avance un peu, nous sommes à 85%. Si nous faisons carré, si nous maintenons carré, on peut changer entre les deux armes. Ou alors plusieurs armes, hein, 3 armes, parce qu'après on a les armes aussi sur les épaules, etc. Donc on peut avoir au maximum 4 armes. Et par exemple, l'arme de corps à corps, c'est seulement un carré devant, derrière, droite et gauche, pas en diagonale. Donc voilà. Donc pour le moment, on va tester le fusil à pompe. On y va.
Et maintenant, on va tester le... l'arme de corps à corps. Fou, bientôt mort. On va devoir le détruire. On va faire encore un coup de fusée à pompe. On va se mettre en hauteur. Hop là. Nous avons détruit le bras. Alors, les Wanzers sont... les parties des Wanzers sont assez simples. Vous avez les jambes, qui comportent donc les deux jambes. Vous avez bras droit, bras gauche, et après le body, le corps. Donc si le corps explose, le Wanzer explose. C'est important à savoir. Après, le Wanzer peut rester encore en vie et ne pas exploser s'il y a plus de bras et plus de jambes, mais c'est le body qui est très très important. Ok, maintenant nous avons un ingénieur de la JDF, en fait, qui va nous... on va dire, nous plus ou moins nous forcer à faire un combat réel. Et donc c'est ce qu'on va faire. Un combat réel encore contre une IA, bien évidemment. Un autopilote. Donc c'est parti. Donc maintenant il nous explique les différentes parties du robot. Je vais vous le montrer ça. Je vais zapper le... voilà, on va zapper. Donc si vous allez dans statut... vous avez plusieurs onglets, donc on a trois onglets pour le moment. Donc là, il nous montre en fait le nombre de HP de chaque partie. Donc le corps, à bras droit, bras gauche, pardon, bras droit et les jambes. Et après, vous avez un backpack. Donc le sac à dos, en fait, peut ou comporter des objets, ou alors parfois c'est pour seulement simplement augmenter en fait la puissance du Wanzer. Donc il peut porter des armes plus lourdes, etc. Donc nous avons les parties. Nous pouvons même voir aussi certaines... qu'est-ce que les parties font en fait, par exemple. Si vous prenons les bras, donc ça augmente la précision de 14%. Les jambes, donc c'est un type de deux jambes. Booster, il y a... c'est de deux. Et il n'y a pas de dash pour le moment, donc ça on verra plus tard. Et comme j'ai dit, ça c'est par exemple un sac à dos qui donne 60 de puissance en plus. Et pour le corps, nous avons une attaque de mêlée de 119%. Donc voilà. Après, nous pouvons aussi voir les armes. Donc pour les armes, nous avons donc le Shonk Ta, c'est le fusil à pompe. Et après, le Fear Fist, c'est l'arme de mêlée. Vous pouvez voir Shotgun, mêlée. Les classes, donc c'est I. Donc il y a trois classes en fait de différentes attaques. Mais ça, je les montrerai quand j'aurai toutes les autres types d'attaques en fait. Comme ça, ce sera plus simple. Après, le nombre de AP, donc c'est les Action Points, donc les points d'action. Plus les armes, on va dire, sont grosses en général et plus elles consomment de points d'action. Donc, et bien sûr, pour bouger, il faut aussi utiliser des points d'action. Donc il faut gérer à chaque fois vos mouvements plus l'attaque. Et après aussi, il y a la riposte, parce qu'à chaque riposte, en fait, vous allez devoir utiliser aussi vos AP. Donc c'est important. Les skills, c'est... donc là, nous sommes en A. Donc Kazuki, en fait, est bon pour les fusils à pompe et les armes de mêlée. Et chaque personnage va avoir, on va dire, son set d'armes qu'il aime. Mais... bien entendu, vous pouvez apprendre tout et n'importe quoi dans le jeu. Vous n'êtes pas obligé de jouer au fusil à pompe et en mêlée. Vous pouvez jouer complètement autre chose. Ça marche très bien. Après, le type d'attaque. Donc, vous voyez que là, c'est 19 x 12. Donc, vu que c'est un buckshot, hein, c'est une cartouche de fusil à pompe. Donc, vous allez envoyer 19 palettes. Donc, 12 palettes qui font 19 de dégâts chacune. Et là, pour l'arme au corps à corps, c'est un seul coup, mais à 91. Et après, les munitions sont illimitées. Après, nous avons aussi le statut du pilote, donc le nom, les HP du pilote, parce que oui, vous pouvez en fait sortir de votre robot, de votre Wanzer, pendant les combats, et vous pouvez même être tué dans votre Wanzer. Et si vous mourrez, bah, le Wanzer en fait reste sans pilote et les gens peuvent le récupérer. Vraiment, vraiment utile. Il y a même des sortes de méta, on va dire, entre parenthèses, où vous pouvez seulement attaquer le pilote et c'est super pratique. Et après, le Ace Rank, donc plus vous faites des choses comme détruire des parties de robots et tuer des robots et plus vous récupérez des médailles. Qui vont servir plus tard, mais je l'expliquerai ça plus tard. Et après, Weapon Scale, donc c'est le niveau de chaque arme. Donc pour le moment, comme j'ai dit, Kazuki a utilisé le shotgun et le melee, il est bon avec ça pour le moment, rien d'autre. Et après, Battle Skill, ça sera des habilités que nous allons apprendre plus tard, mais ça, on verra ça en vrai combat. Donc, nous allons nous approcher de notre petit IA. On va voir un peu comment elle va nous faire mal. Donc lui, il a une mitraillette,
C'est très important aussi d'analyser en fait les armes des Wormser ennemis. Donc lui il a une mitraillette, c'est 4 cases, alors que nous c'est fusil à pompe, donc c'est 3 cases, donc on peut pas le toucher par exemple. Donc lui il peut nous toucher alors que nous, nous sommes complètement hors de portée, donc c'est un problème. Enfin, lui il est hors de portée. Nous, nous avons pas la portée pour attaquer, c'est ça que je voulais dire. Et vous voyez que, par exemple, sur mes barres bleues, il y a pilote en dessous, donc 20 points, 20 HP pour le pilote. Mais sur l'autre côté, l'ennemi, en fait, il n'y a pas de pilote. Donc comme j'ai dit, c'est parce que nous sommes contre un autopilote. Et après, quand nous avons donc un contre, nous devons contre-attaquer. Nous pouvons contre-attaquer, en fait. Ou alors, nous pouvons faire aucune aucun contre, genre no counter. Et vous voyez que ça augmente aussi le nombre d'AP, parce que normalement il faut beaucoup moins d'AP pour taper au corps à corps et tout ça, mais là c'est augmenté vu que c'est en contre, donc il faut faire attention à ça, et c'est pour ça que c'est bien de garder des AP de côté. Mais ça, ça sera, on va dire, plus tard, ce sera plus intéressant de comprendre ça plus tard. Nous allons continuer à tirer tout simplement avec le fusil à pompe, car nous faisons énormément de dégâts sur beaucoup de parties. Beaucoup de différentes parties. Voilà, nous avons tout détruit. Nous avons détruit le Wormser en entier. Plus vous détruisez des parties de Wormser, et plus vous allez récupérer des médailles comme là. Voilà, là nous avons eu énormément de médailles en plus. Comparé à si on l'avait simplement détruit, genre si on avait détruit le corps du Wormser pour le tuer, on n'aurait pas eu de médaille du coup. Ou alors seulement une, ou quelque chose comme ça. Et nous avons gagné. Donc récapitulatif, nous avons tué 2 ennemis, total de nombre d'attaques pour nous, donc on a fait 7 attaques, dégâts en moyenne 34, et aussi la prise de niveau s'est pris en compte, donc la prise de niveau des armes, bon on n'a pas pris de niveau pour le moment, donc c'est seulement 1, et nombre de tours 9. Et tout ça en fait à chaque fois c'est pris en compte, donc, et aussi il faut regarder la monnaie en haut, prize money, donc on a récupéré 300 crédits. Et comme j'ai dit, les statistiques, en fait, les rangs, sont tous pris en compte. Donc il faudrait, en gros, pour tout le temps avoir du platinum, donc la meilleure médaille possible dans le jeu, il faudrait donc éliminer énormément d'ennemis en moins de tours possible, avec un taux de dégâts extrêmement élevé. Et il faut aussi augmenter nos niveaux des armes. Donc voilà, des fois ça peut être un peu compliqué. On va dire vers le milieu du jeu, fin du jeu, ça peut être assez compliqué de temps en temps. Bon travail Kazuki, on a fini. Alors à chaque fin de mission, nous avons la possibilité de sauvegarder, charger ou de partir. Et plus tard, nous allons même pouvoir nous entraîner, etc. Mais c'est plutôt bien, donc à chaque fin de mission, vous pouvez directement sauvegarder ou refaire la mission si vous avez une sauvegarde. Donc ça c'est plutôt... L'intermission est plutôt sympa d'être là. Maintenant, vous avez un peu... le menu où vous pouvez bon sauvegarder, charger la partie évidemment, et après vous avez tous les personnages en fait dans la salle en ce moment même, donc c'est à dire qu'il y a Kazuki, le soldat de la GDF, Koike, ouais on va le prononcer comme ça, Koike c'est le scientifique, et Ryogo c'est notre ami, donc vous pouvez leur parler directement. Et vous allez engendrer des conversations avec ça. Et une fois que les conversations en fait seront terminées, vous allez pouvoir passer à la suite. Donc c'est très important de parler avec tout le monde. Donc la conversation étant finie, donc Ryogo, notre ami, vient juste de rentrer en scène. Et donc en gros, nous avons testé un Wormser de type assaut qui devrait être livré pour la GDF. Donc nous sommes arrivés au moment où vous choisissez en fait votre histoire. Donc aller avec Ryogo ou pas va déterminer si vous faites l'histoire de Emma ou alors l'histoire avec Alyssa. Aussi, il est important que Ryogo est un, on va dire, donc il est votre ami hein, de jeunesse et tout ça. Mais le mec est un peu, comment dire, tête brûlée. Hein, tête brûlée, fonce d'abord, grande gueule, etc. Donc des fois, il peut vous amener pas mal de problèmes. Kazuki est plutôt réservé, sérieux dans son travail, alors que Ryogo essaye d'éviter tout travail. Et il faut aussi savoir que Ryogo est pour le moment aussi envoyé en mission pour livrer des Wormser, parce que les deux travaillent dans la même boîte et font le même boulot. Alors nous allons prendre l'histoire de Emma. Alors je pense que en général l'histoire de Emma est la plus simple des deux pour différentes raisons. On va dire que les gros combats arrivent vers plutôt la fin du jeu, alors que Alyssa arrive plutôt vers le milieu du jeu et qui peut créer une petite différence. Et ce qui est important, c'est que donc peu importe
qu'à l'histoire, vous aurez toujours Kazuki et Ryogo, donc les deux, ce sont les personnages, on va dire, principaux du jeu. Et après, vous avez au moins 6 ou 7 personnages que vous allez rencontrer, et ces 6 ou 7 personnages sont complètement différents par rapport aux deux scénarios. Et des fois, vous allez rencontrer, en fait, des personnages que vous aurez dû faire alliance avec dans une histoire, mais vu que vous avez pris l'autre histoire, vous allez devoir les combattre. Pas tous, attention, pas tous, mais certains, oui. Et donc, c'est ce qui rend, en fait, la chose assez intéressante, et surtout de recommencer le jeu pour faire l'autre histoire et de voir un peu, on va dire, un autre tournant de l'histoire. C'est vraiment, vraiment très intéressant. Donc, encore une fois, une très bonne chose pour ce jeu. Donc nous allons aller avec Ryogo qui nous a dit d'aller sur un site de construction avec lui au lieu de nous reposer parce que Ryogo il aime bien nous embêter, ok? Comme j'ai dit, c'est le pote cool mais relou. Maintenant nous avons fini les conversations, donc nous pouvons encore discuter avec, nous n'allons pas le faire. Nous allons bouger à la zone de construction, nous pouvons faire move maintenant. Par contre, avant de faire ça, je voulais vous montrer le network. Alors le network, c'est quelque chose que je ne vais pas vraiment montrer souvent. Je vais juste montrer comment il fonctionne et ce qu'on peut débloquer, mais alors très vite. Pourquoi ? Parce que le network, c'est Internet. C'est un gouffre, c'est un trou noir où vous pouvez passer des heures à l'intérieur, parce qu'il va avoir des pages d'internet que vous pouvez aller voir et récupérer et lire, et c'est extrêmement lent et long, et il y a énormément de choses à voir. Donc à chaque fois que vous allez dans un onglet, vous avez d'autres sites et après vous avez littéralement des sites internet en fait à lire, et ça peut prendre énormément de temps, donc c'est un peu embêtant. Donc vous voyez, vous allez sur des pages web. Vous allez pouvoir choisir certaines choses et vous avez plein d'informations sur différents groupes, différentes news, différentes choses qui se passent. Par contre, ce qui est intéressant aussi, bon, à savoir aussi le gros problème en fait de ce network, c'est qu'une fois que vous lancez en fait dans l'écriture, vous pouvez pas vraiment la passer. Vous êtes obligé de passer toutes les pages avant de pouvoir sortir de là. Donc ce qui rend la chose extrêmement frustrant de temps en temps si vous cliquez sur la mauvaise chose. Mais surtout, vous pouvez récupérer en fait des nouveaux combats de simulation au fur et à mesure que vous avancez dans le jeu. Donc, encore une fois, le network est utile, mais embêtant. Chiant. J'ai envie de dire chiant. Donc, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais je ne vais pas vraiment le montrer. Et après, bien sûr, vous pouvez prendre des adresses en mémoire hein, pour aller directement aux pages internet. Mais vous avez aussi des emails que vous pouvez lire. Donc, check mail. Normalement, je crois qu'on a reçu un email pour nous dire bravo, vous faites partie de la boîte ou un truc comme ça. Donc, vous pouvez regarder aussi les emails de chaque personnage. Donc, on a Kazuki et Ryogo. Pour le moment, on a rien de nouveau. Et après, cher, c'est les messages qui vont pour tout le monde, en gros. Donc, on a eu un message de la part du NCS. Donc, voilà, il nous explique comment ça fonctionne. On va zapper ça. Je vous ai dit, des fois, il y a énormément de pages. Donc, ça peut être très, très embêtant. Et après, vous pouvez même envoyer un email, sans déconner. Donc c'est extrêmement... C'est un trou noir, ok? C'est un trou noir. C'est vraiment comme Internet. C'est genre la chose où il est tard, vous voulez vous endormir. Vous pouvez même changer le fond d'écran. On va partir, il y a trop de choses à faire. Mais c'est vraiment la chose où vous voulez vous coucher tôt et par erreur vous tombez sur YouTube et des vidéos ou alors des pages internet et au final vous arrivez, il est déjà 5 ou 6 heures du matin. Voilà, donc nous allons bouger à la zone de construction maintenant. Donc à chaque fois qu'on change de position, vous allez avoir une map et vous montrer l'itinéraire en fait qu'on prend. Et c'est assez dynamique, des fois vous allez être interrompu et tout ça, donc vraiment vraiment plutôt cool. Donc nous sommes arrivés à la zone de reconstruction en fait. Donc c'est une reconstruction rurale, mais comme Ryogo, enfin Kazuki surtout, a noté, il y a énormément de soldats de la GDF, donc la défense du Japon, qui est un peu étrange, mais voilà, pour le moment nous allons livrer les Wanzers de la part de Kirishima Industries. Donc le soldat de la GDF nous a dit que c'était assez dangereux cet endroit, qui est un tout petit peu étrange. Mais bon, nous allons un peu discuter et après nous allons partir. Donc une chose à noter aussi, c'est que la sœur de Kazuki, donc Alyssa, n'est pas sa sœur par sang.
Et bien sûr, Ryogo hein, a fait des blagues hein, comme quoi s'il avait une sœur comme ça. Enfin bref, on est au Japon. Donc, nous sommes à Okinawa, évidemment, la nuit, et Ryogo veut s'amuser. Mais nous avons décidé de rentrer au laboratoire de la JDF. Donc maintenant, nous allons faire la livraison de Kazuki. Et du coup, le scientifique Koike a demandé en fait à Ryogo de venir avec nous parce que nous n'avons pas assez de main d'œuvre. Et Ryogo vient juste de finir sa livraison, donc il a les mains complètement libres, donc il va nous aider, de gré ou de force. Donc nous allons partir. Donc il y a plusieurs choses que vous pouvez faire avant de partir, donc vous pouvez aller tester en fait les Wanzer, donc encore une fois apprendre à mieux diriger le gameplay, mais nous allons directement aller à l'héliport et nous allons commencer donc notre livraison avec Ryogo et Kazuki. Donc nous avons la carte du monde aussi, ça c'est plutôt pas mal quand nous allons à des endroits assez éloignés. Donc ces cinématiques sont assez intéressantes parce que quand il y a des cinématiques comme ça de jeu, par rapport au Wander que vous avez, en fait ça va changer du coup. Donc ça c'est plutôt cool, c'est vraiment plutôt sympathique d'avoir des cinématiques qui changent par rapport à ce que vous portez en gros. Si on peut simplifier les choses comme ça. Alors bien sûr c'est du 1999 quand même les graphismes, mais ça fait bien le boulot, honnêtement ça fait bien le boulot. Donc Koike dit que nous sommes de Kirishima Industries et nous sommes là pour livrer les Wanzer. Donc on va descendre les Wanzer. Ryogo est toujours là à se plaindre parce qu'il aime pas travailler. Donc encore une fois nous avons les Wanzer d'assaut. Qui sont lourdement armés. Donc nous sommes là simplement à faire notre livraison. Mais une explosion. Donc il y a eu une explosion sur la base. Pour le moment, Kazuki pense que c'est simplement un accident. Donc bien sûr, nous sommes sur une base militaire. Donc le système de défense vient de s'activer. Le garde est en train de dire que c'est pas normal en gros parce qu'on a encore des civils. Nous sommes des civils. Donc Koike a demandé à l'hélicoptère de partir. Donc il se passe quelque chose de pas normal. Kazuki dit qu'on va devoir combattre. Aussi, il faut savoir que le père de Kazuki est un militaire. Donc c'est pour ça qu'il est, on va dire, bon en combat, alors qu'il est juste livreur pour le moment. Donc ça va être notre premier vrai combat. Donc nous sommes sur la base militaire, en fait, alliée, hein, évidemment. Mais le système de défense vient de s'activer et donc Kazuki a décidé de le détruire. Avant que, bien sûr, ils nous détruisent, nous. Donc, on peut regarder un peu le statut des ennemis à chaque fois. Donc, ça, c'est pas mal. Donc, il y a seulement un body, donc un corps. Il n'y a pas de jambes, rien. C'est juste un système de défense. C'est autopilote, donc il n'y a pas de pilote à l'intérieur. Et ce sont des machine guns qui tirent 10 fois et qui vont faire 13 de dégâts. Donc machine gun ça veut dire 4
cases de distance, normalement, si je dis pas de bêtises. Aussi, on peut passer à Ryogo. Donc Ryogo a le même type de Wormser que nous, il a le Shunyo MK111. Par contre, il a deux armes différentes, enfin il a une arme différente. Il a la mitraillette qui est de 1 à 4 la distance, au lieu de 1 à 3 comparé au fusil à pompe. Il est au niveau A aussi. Et en mêlée aussi, il est en A. Par contre, il n'a pas d'arme de mêlée, il a seulement le poing en fait. Donc c'est seulement 25 de dégâts comparé aux dégâts de Ryoko qui sont à presque 216. Voilà, qui sont à 216. De Kazuki, pardon. Dégâts de Kazuki. Donc vu que nous avons un fusil à pompe, nous allons aller proche. Par contre, c'est à 64 et là c'est à 86. Par contre, une chose qui est intéressante à prendre en compte, c'est que si vous attaquez toujours en premier en fait. C'est celui-là qui attaque qui passe en premier. Par contre, c'est faux quand vous utilisez une arme de mêlée. Les armes de mêlée vont toujours passer à la fin des tours. Parce que en théorie, les armes de mêlée font extrêmement mal, peuvent vraiment vous one-shot à certains degrés du jeu. Donc c'est pour ça qu'elles passent après. Donc les armes à feu passent en priorité. Donc là, nous allons nous faire tirer dessus. 209, très bien. Bon dégâts. Là qu'on a 39%. Donc on peut passer à travers nos alliés, on peut tirer à travers nos alliés. Mais par contre, les ennemis non. On a seulement à 39%, ce qui est vraiment pas très bon. 39%. Alors, on va se mettre là. 49%. On va pas trop s'avancer pour éviter de se faire tirer dessus par les autres. Très bien. Première défense détruite. Ah, je dois dire que ces canons peut-être ont une plus grande portée. Vu que c'est des canons anti... enfin de défense de base. Peut-être qu'ils ont une portée plus grande que la mitraillette normale. On va faire un peu avancer Ryogo. On va un peu tirer avec lui en premier. Très bien. On va changer d'arme. 62%. 62% on devrait le tuer. On devrait le détruire. Voilà, très très bien. Je dois avouer que pour le moment, nous avons des Wormser et des armes que vous devriez en fait piloter plus tard. C'est le début du jeu et l'histoire se joue. Donc on a vraiment des choses assez augmentées pour le moment. Donc on risque pas grand chose. Waouh, à peine 39% et pourtant on l'a vraiment bien bien détruit. On va le finir avec Kazuki. Qu'est-ce que j'ai à les confondre maintenant. Très bien. C'est bien parce qu'à chaque tour, on en tue un. On va passer sur Ryogo. Ça va être un peu compliqué de le finir avec... Kazuki, on va voir. 60%, allez. Yes, ça passe. Le fusil à pompe fait énormément de dégâts. Enfin, celui-là en tout cas. Ok, très bien. Notre premier niveau fini. Donc on a récupéré 242 de prix. On a eu seulement un moins 3% sur le nombre d'attaques en fait. Donc c'est très bien, on a eu un platinum. Donc des forces spéciales, des soldats de forces spéciales nous demandent de baisser nos armes. Kazuki essaye de leur expliquer ce qui se passe. Encore
encore heureux que le garde était là et expliquait ce qui se passait. Ça, c'est l'officier. L'officier nous dit de partir. Donc, il nous demande de laisser les Wanzer de partir. La chose, le problème, c'est que les deux sont en train de se monter monter la tête l'un contre l'autre. Parce que l'officier est pas vraiment très très amical et Kazuki est un peu tête brûlée de temps en temps aussi. Surtout que, encore une fois, son père faisait partie de l'armée, donc en gros il était sûrement extrêmement strict. Donc du coup les ordres ça passe pas très très bien avec Kazuki. Tout simplement parce qu'ils nous ont pas dit merci en gros. Donc nous sommes rentrés au quartier de Kirishima et apparemment le boss n'était pas extrêmement content avec nos actes, mais encore une fois on a un peu été obligé de combattre et de détruire les parties de la défense de là-bas, sinon on serait sûrement mort. Donc voilà, donc en gros il nous a dit aussi que... le scientifique nous a aussi dit que la base militaire était aussi... ça venait aussi de leur faute. Donc du coup on devrait pas trop avoir de problème. Et entre temps nous avons eu donc un email de Alyssa, donc la sœur de Kazuki. Et elle nous demande comment ça va, elle demande comment ça se passe à Okinawa, etc. etc. Et elle a été transférée au laboratoire de Yokozuka Base, la base de Yokozuka. Et au passage le laboratoire de Yokozuka c'est où on était, donc c'est la base militaire. Et il y a un labo là-bas, et apparemment donc Alyssa était sûrement à l'intérieur pendant l'incident, donc Kazuki commence à s'inquiéter. Et donc bien entendu, Kazuki veut retourner à la base, voir si sa sœur est saine et sauve. Donc comme je disais, Kazuki veut absolument retourner à la base, donc nous allons directement y aller. À noter qu'il y a le hangar et la salle de simulation, mais pour l'instant le hangar on peut strictement rien faire, car on n'a pas vraiment nos Wanzer avec nos armes et tout ça, on peut pas changer ça pour le moment. Et la salle de simulation, c'est seulement des simulations avec des Wanzer pré-définis, donc c'est pas vraiment intéressant. Donc on va simplement partir. Donc, une chose aussi assez intéressante, c'est que de temps en temps, sur la map, en fait, on va avoir différents endroits, donc on va pouvoir choisir de visiter. Alors, la plupart du temps, c'est très simple, c'est A ou B, donc c'est pour simplement continuer, on va dire, l'histoire et la progression de l'histoire. Mais de temps en temps, vous avez des choix un peu extra avec des magasins, genre, en gros, vous allez vous balader en ville et voir des magasins, ce qui est très très important de temps en temps, parce que ces magasins vont avoir des nouvelles armes, nouveaux équipements, nouveaux Wanzer, pièces de Wanzer, ou même des ordinateurs et tout ça, mais ça on en viendra encore après. Mais voilà, donc c'est très important, faites attention à ça. Donc pour le moment nous repartons à Yokozuka Base, la base de Yokozuka, où il y a possiblement Alyssa, la sœur de Kazuki. Donc nous sommes arrivés. Donc vous voyez que ce qui est bien avec ce jeu, c'est que nous, on n'est pas tout le temps en Wanzer avec des robots et tout ça. Nous sommes pas le Wanzer, nous sommes la personne, nous sommes Kazuki. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment cool. Donc nous sommes pas autorisés à rentrer dans la base évidemment. Kazuki essaye d'expliquer qu'il veut juste voir si sa sœur est ok, mais le garde ne peut strictement rien nous dire. Donc il se passe quelque chose. Et Ryogo essaye de calmer un peu le jeu. Donc maintenant nous pouvons retourner à Kirishima ou alors aller simplement en ville et décompresser, donc c'est ce qu'on va faire. Donc Ryogo nous dit qu'il y a un bar. Et il dit aussi qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent au JDF. Donc peut-être qu'on va avoir vent de quelque chose qui se passe dans la base. Donc Kazuki nous explique un peu par rapport à sa sœur. Donc en gros elle a été adoptée donc, par les parents de Kazuki, mais elle vient d'un autre pays, elle n'arrêtait pas aussi de pleurer quand elle était petite, quand elle était plus jeune. Et Kazuki en gros s'est fixé
le rôle de grand frère protecteur, et il l'a toujours protégée, et il veut encore la protéger. Donc nous sommes dans le bar, donc il y a énormément de personnes avec qui parler, et ça va être, on va dire, important pour le déroulement de l'histoire. Donc après avoir parlé à plusieurs personnes, à toutes les personnes disponibles pour le moment, il y a une personne aussi, c'est vrai que j'en ai pas parlé, qui nous a donné un site pour la GDF, donc on peut aller le voir dans le network, je le montrerai si c'est vraiment intéressant. Mais encore un exemple que parler avec les gens est très important. Des fois, vous allez avoir des informations en plus par rapport à l'histoire ou des choses qui se passent. Mais aussi, certains vont vous donner bel et bien des sites pour le network. Donc encore une fois, plus de choses à lire, plus de personnes à écouter, plus de sites à trouver et à regarder. Donc énormément de choses à faire. Mais dans tous les cas, nous allons partir pour le moment. Mais nous allons nous faire intercepter par une femme. Donc nous avons été accostés par Emir Klamski, qui est apparemment une scientifique dans les radiations qui travaille pour l'USN. Pour le moment, elle nous a simplement dit qu'elle avait besoin de notre aide et elle avait l'air d'être intéressée par les problèmes qui s'étaient produits à la base par rapport à l'accident. Donc on va en apprendre un peu plus. Au passage, il faut comprendre que l'USN sont plus ou moins les ennemis de l'OCU. Donc l'OCU comprend les nouvelles nations du Japon, de l'Australie, le sud-est asiatique comprenant les Philippines et un certain nombre d'îles du Pacifique. Donc c'est nous en gros. Et après vous avez donc l'USN, donc Emir, elle en fait partie. Donc ça c'est l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud consolidées dans une super nation simple. Et en petite note, l'USN est souvent en désaccord avec l'OCU, voilà, on n'est pas vraiment très très potes. Donc en gros, on se fait mener par le bout du nez incomplètement, hein. Donc c'est une ennemie de la nation et c'est une ennemie du JDF surtout, mais elle veut qu'on aille dans la base, donc elle nous propose en fait d'aller dans la base. Évidemment, c'est pas par la porte d'entrée, on va devoir s'infiltrer à l'intérieur et ça va bien sûr aider Kazuki à aller potentiellement voir et sauver sa sœur. Donc du coup, nous allons accepter. Et nous partons. Donc, bien entendu, c'est Emma.